Moi, je viens d'Italie, du sud de l'Italie. Et ma famille, les Roms, bah, c'est déjà important, très important. Enfin, important comment? Ben, important comme ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, Gino, dis-lui vraiment les choses. Ils rackettent, ils volent, ils tuent, trafic de pute, drogue, je tout. Vous êtes la grosse mafia. Et mon oncle Giovanni, c'est le chef de tout ça. On était hier soir à la maison avec Simone, il était quoi, à 22h? 22h40. Bon, 22h40, et le téléphone a sonné. Allô? Mon oncle Giovanni va mourir. Un quarto di ciò che gli appartiene. Aspettati. Ma prima di dartelo, vorrei essere sicuro che tu sia diventato un vero boss. Ma certo che sono un boss. En fait, vous voulez faire un film sur une autre vie où vous seriez des mafieux. Voilà, il faut une grande maison avec, avec des grandes colonnes, je vois du marbre, des statues. Un peu comme celle de ta mère, Jacques. Ah mais non, mais laisse tomber. Elle ne la prêtera jamais. Action. Monsieur Romain. Simone, c'est l'équipe pour le documentaire sur ma vie de grand mafieux. Ah oui, bonjour. Ça va être un très gros film. Faut qu'on trouve une voiture aussi. Voilà, j'ai un copain qui a une Rolls. Ah mais c'est bien ça. Mais elle marche pas. Coupé. On va dans la voiture qui marche maintenant. On fait les scènes de raquette, monsieur Romain. Alors vous rentrez dans la pizzeria, vous parlez avec le patron. Et qu'est-ce que je lui dis, moi, à l'intérieur? S'il est pas dans le coup, il va rien comprendre. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des pizzas emportées, s'il vous plaît? Oui. Coupé. Merci. Au revoir. Il y a un type qui essaie de vous faire du tort en ce moment, il s'appelle... Gino Romain. Vous le connaissez? Je suis un homme doux, vous savez. Mais celui qui s'intéresse de trop près à mes affaires doit se préparer à souffrir. Très heureux de faire votre connaissance. Ça tend déjà, c'est ça? Oh, j'ai compris, j'ai compris. J'ai entendu dire que vous vous intéressez... Articuler, on n'entend rien, on comprend rien. Vous n'avez pas peur de faire de la concurrence à quelqu'un? Si quelqu'un s'intéresse d'un petit peu trop près à mes affaires, je prends un petit ciseau et je lui coupe les couilles et je les donne à manger à sa femme. Passe-moi le torchon. C'est bon? Non. Je suis celui qui va te couper les couilles pour les donner à bouffer à ta femme. Alors là, vous êtes mort. C'est bon, là. Gonzalez n'est pas un acteur.